Ça doit concerner cette fameuse séquence de 5, 4-5 minutes avec le directeur, où les gens n'ont souvent pas du tout compris le but de la séquence, quoi, ni ce qu'elle dit. Et même certains ont été super choqués par cette séquence. Alors qu'à l'inverse, elle est censée être probablement la plus claire de toutes, quoi. C'est celle qui remet tout à plat, qui explique toutes les choses, qui réoriente un peu le fond de l'histoire. Et c'est probablement la séquence qui a été la moins bien comprise. Donc, qu'est-ce qu'on. La question la plus con, c'est quel est l'intérêt de cette séquence? En gros, qu'elle n'a aucun intérêt, quoi. C'est une séquence de 4 minutes qui, pour moi, et c'est marrant parce que pour d'autres, c'est pratiquement la séquence, alors je dirais, la mieux calibrée, quoi. Où les gens n'adhéraient pas aux motivations de la conseillère et qui, grâce à cette séquence, ont d'un coup compris ce que voulait dire le film. Voilà. Donc en fait, c'est pas vraiment une question la plus con, c'est la remarque la plus conne. C'est une sacrée bonne sélection. Annie des Francia, j'aime beaucoup, qui était très drôle. Donc une comédie. Mon premier film était une comédie, donc je sais à quel point c'est difficile de faire de bonnes comédies. Il est super. Don DeSta, qui m'a beaucoup fait rire. Le petit dragon aussi, c'est un film d'animation super intelligent. C'est gratuit pour les filles, mais c'est tellement évident que j'avais pas besoin de le citer. Schéma directeur, que j'ai bien aimé. Puis voilà, il y en a plein d'autres. Citizen versus Kane, que j'ai vu à Clermont, qui était la même année que moi. Donc voilà, je les ai quasiment tous vus. Donc, voilà. Non, il y en a bien. Il faut que je cite ceux que j'ai pas aimés. Ou... Un message personnel. Un message personnel. Oui, j'aimerais bien faire un autre film bientôt. Donc, si les financiers me regardent, voilà, on a un peu de sous pour faire le prochain. On aimerait bien avoir encore plus de sous. Si vous pouviez nous donner un peu d'argent pour qu'on fasse notre prochain film, ce serait cool. Je serai à la 13e nuit des lutins comme mes 24 autres ou 25 autres camarades réalisateurs et réalisatrices. Voilà, pour voir mon film pour la 150e fois, et j'aurai encore une boule au ventre comme la première fois que je l'ai vu à Clermont. Voilà, je serai là. Voilà, au revoir. Je me souviens avoir découvert des films avec les lutins qui vont. Si j'en cite, je peux te citer. La leçon de guitare, c'était vous ça aussi, vous étiez dedans. Enfin, et puis d'autres. Bonne nuit Malik, enfin voilà. Et je me suis dit un jour j'y serai moi aussi. Voilà, c'est arrivé. Donc, voilà. Maintenant je peux mourir. Je peux mourir maintenant, comme disait l'autre, je peux mourir. Ma vie est réussie, je suis au lutin.